Turquie, plaque tournante du terrorisme, guerre civile suivant des élections. OK. Moi, c'est quoi son nom? Erdogan. Erdogan. OK. Il tient l'Europe par les couilles un peu. OK. Parce que lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si vous me donnez pas ci, vous me faites pas ci, vous me faites pas ces faveurs-là, moi, c'est la plaque tournante. On rentre tout le monde de l'Afrique, passe par moi, rentre en Grèce et tout ça, et vous êtes fait. Et moi, j'ai filtre. Moi, j'ai l'air. Là, lui, il y a de l'opposition dans son pays. Énormément. Parce que c'est d'une certaine forme, un peu un dictateur, si on peut le dire, mais c'est pas un dictateur qui aime l'islam radical. Et il y a toujours une guerre dans ça, et c'est lui qui est capable de. Un peu comme Saddam Hussein, d'un certain. Qu'il ne laissait pas le radical islamique vivre, il est coupé la tête tout de suite. C'est ça. Lui-là, il va jouer avec ça, mais de plus en plus, il y a de plus en plus d'opposition. Des oppositions radicales qui va être appuyée par notre CIA. Donc, moi, je vois que c'est déjà une plaque tournante pour le terrorisme. Il va avoir peut-être. Guerre civile en Turquie cette année. En 2023. Exactement. Très, très, très.